Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et bienvenue dans notre 24e épisode sur notre aventure Rage. Et on va continuer tout de suite le scénario principal, comme vous l'attendiez, en compagnie de notre très cher capitaine Marshall, me semble-t-il que c'est ça. Et sans plus attendre, on y va, chers amis, on est censé le suivre. Allez, à Metro City avec, j'ai pas le temps de lire, qu'est-ce qu'il a ? Il a une jambe mécanique, ce mec, en fait. Captain Marshall, c'est ça. J'avais jamais remarqué qu'il avait un... qu'il avait une jambe robotique. Assar, c'est Marshall. Code d'accès 1228. Bien reçu, chef. Ravi de vous voir. Notre invité aussi. Ok. Ah, ici. Allons-y. Wow. Bienvenue dans notre base. Merci c'est bien. C'est un bazar, mais c'est chez nous. Un plaisir de te revoir, Elisabeth. Je vais vous présenter notre invité. Vous savez que c'est un survivant d'une arche. Il est aussi costaud et efficace. Je sais qu'il a sa place ici. Bref, c'est un allié. Vous voyez cette arche en ruine, là-bas ? J'étais enterré dedans. Mais la SAR s'en sert maintenant pour organiser notre opération. Très bien. Ravi de vous rencontrer. De même. Oui, le capitaine Marshall était enterré là-dedans. Mais j'ai bricolé le système et je peux maintenant surveiller l'autorité et communiquer avec nos alliés dans le Westland. Exactement. Et Elisabeth, que vous connaissez. Absolument. Ravi de vous revoir. De même. Et surtout en un seul morceau. En fait, c'est le docteur Cadence. Et elle essaie actuellement de découvrir ce que l'autorité fabrique avec les mutants. Chaque pas me rapproche de la vérité. Et Jack Portman, là-bas, c'est l'expert en armes. Fusil ou explosif. Tu me plais. Carrément. Ce badass. C'est mon anniversaire tous les jours par ici. Surtout quand mon boulot permet d'éclater ces enfoirés de l'autorité. Et enfin au-dessus, celui qui surveille l'entrée de notre base d'opération, c'est Saul. Il s'occupe du garage en ville et il a déjà récupéré votre matériel. Au-dessus. Vous le verrez en montant. Ah, ok. Non mais ce badass. Ok, voilà ce que vous devez savoir. Ce gros badass. Metro City au-dessus, ce n'est pas Wellspring. Leur position est délicate. Ils essaient de contenter l'autorité tout en nous acceptant. Vous allez devoir être prudent. Et prenez garde au maire, Redstone. Ce type est dangereux. Il vous vendra à l'autorité sans hésiter si vous ne lui êtes pas utile. Redstone, t'es sérieux? C'est son nom, Redstone? Vous êtes sérieux les mecs? On n'est pas dans Minecraft, là on se détend. Ok, c'est tout? Ok. La première chose que vous devez faire, c'est vous mettre Redstone dans la poche. Redstone. Voyez, s'il a besoin d'aide, montrez-vous utile. Sinon, vous êtes un homme mort et ça ne nous servirait à rien. C'est ballot. Vous pensez pouvoir jouer à son petit jeu? Absolument! Bien. Et souvenez-vous, habituez-vous à la façon dont les choses fonctionnent. Montrez-vous utile. Ensuite, nous passerons aux choses sérieuses. Ok, vous allez pouvoir monter. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ça va, ma belle. Écoutez-moi. Les mutations n'étaient pas causées par les radiations de l'astéroïde. Les mutants ont été créés par l'autorité en testant l'effet des nanotrites sur les humains. Les spécimens ratés ont été abandonnés dans le Wasteland, comme de vulgaires déchets. C'est ça, la vérité. Et il faut que tout le monde le sache. Pouah ! Le twist ! Le twist de malade ! Le truc que tout le monde s'attendait, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, Portman? Jouer avec des explosifs et en faire baver. Oh, puis je m'en fous, tu sais quoi. What? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'est dégueulasse! C'est ça que vous faites comme expérience. Oh! Carte collector mutant autorité. Ah, puis je vais enfin pouvoir vous montrer une nouvelle partie de cartes, avec toutes les cartes collector que j'ai pu récolter au fur et à mesure de ces 23 putains d'épisodes précédents, bien entendu. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, c'est une arche ça, vous êtes sérieux? Ok, c'est bizarre, vu de l'extérieur c'est très bizarre en fait. Bien, allez, rentrons dans, j'allais dire, dans Wellspring, mais c'est... Wellspring maintenant, je me rappelle déjà plus du nom de la ville dans laquelle nous sommes arrivés. Sincèrement, il y avait besoin d'un ascenseur pour ça. J'aurais pas pu faire 4 marches, ça aurait été plus simple.
D'accord. C'est genre l'ascenseur secret, quoi. Wait. Je voudrais me rappeler du nom de la ville dans laquelle on se trouve, en fait. Metro City, c'est bien ça. Très bien. Parlez à Redstone. Mais ce nom, quoi. Alors, hey. T'es notre nouveau membre. Absolument. Eh ben, bienvenue à Metro City. Merci bien. Moi, c'est Saul. Enchanté. Je m'occupe du garage, ici. Très bien. Et surtout, c'est moi qui baisse le pont élévateur quand l'autorité se pointe. Enfin bref, voilà ce que tu dois savoir. Ton garage est derrière cette porte. Je m'occuperai des réparations et je te remorquerai en cas de panne. La responsable des courses est en bas, le bar à ce niveau. Et le plus important pour toi, le bureau de Redstone est à l'étage. Souviens-toi, personne ne peut rien faire dans cette ville sans sa permission. C'est ce qu'on verra. Alors ne perds pas de temps et va le voir. Ok, donc mon garage se situe sur la porte où il y a marqué « Garage ». C'est bon à savoir. Très bien. Enchanté, t'as reconnu, Saul. Bien. Et nous voici donc arrivés à Metro City, chers amis. Et comme son nom l'indique, nous sommes dans une station de CE2 métro. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette musique immonde? Vous êtes nouveau? T'es perspicace comme mec, toi. J'imagine que je devrais vous souhaiter la bienvenue. On a tout ce qu'il faut à Metro City. Pour les courses, c'est en bas. Ouais, on m'a déjà dit. Si vous avez des trucs à vendre, allez voir Jamie en haut. Jamie, il est là. Il va vous plaire ici. Non, mais Jamie, il est là, il est pas en haut. Jamie, c'est Jamie. Bon, pardon, je suis en train de péter un câble pour rien. Très bien. Oui. Eh, l'ami, ça vous dirait de vous faire un peu d'argent? Et toi? Pardon. Blake Johnson, le proprio du bar, il en a marre de ces bandits qui volent son alcool. Il a besoin d'aide pour régler ce problème. Vous devriez aller le voir. Très bien. Et Remus. Pour vous ravitailler, allez voir Jenny en haut. Ah, Jenny. Moi, j'ai compris Jamie. Mais c'est quoi cette musique dégueulasse, là? Éteignez-moi ça, les mecs! C'est de la merde! Bon, ça va avec l'ambiance de la ville, tu me diras, mais c'est de la merde! Non, mais si, admettons-le, c'est de la merde, je suis désolé. Hein. Je vais te le dire, mon gars, mais c'est de la merde, cette musique. Ok. Je peux toujours pas y entrer, là-dedans. Ce chèque, qu'on peut entrer dans les rames de métro. Coup, il faut que tu aies la permission de Redstone. Oh, vous m'emmerdez! Putain, même ici, on peut pas picoler tranquille, quoi, c'est incroyable. Je ne crois pas vous connaître. Salut. Friday. Si je peux vous donner un conseil, n'arrivez pas Redstone et évitez d'attirer l'attention d'autorité. Vous pourriez le regretter. Les boobs. Pardon. C'est qui ça? Siri. Comme sur l'iPhone là. Tu parles avec une voix robotique toi aussi? La vie n'a jamais été facile ici. Nous travaillons très dur. Mais entre Redstone et l'autorité, nous gagnons à peine assez pour survivre. Ça ne peut plus durer. Les gens ont besoin d'espoir. Non mais en même temps, si tu veux gagner de la thune, arrête de tout craquer dans de la bœuf, hein, ma grande. Déjà, ok. Ensuite, on en reparlera. Ok, donc pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire. Hein. Comme vous pouvez voir, toutes les portes nous sont bloquées, interdites. Pour qu'on puisse débloquer... Ouvrir la moindre porte, il va falloir qu'on aille parler à Redstone. Norbu, qu'est-ce que c'est que ce nom? Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette gueule? C'est la ville de Redstone. C'est le maire le plus coriace du Westland. Faites gaffe, ou vous ne ferez pas long feu ici. Bon, en même temps, j'ai pas forcément prévu d'y rester un paquet de temps. T'as pas encore vu Redstone, vas-y maintenant. Arrête de perdre du temps. C'est de classe. Ou pas. Lui, ça va être genre, à mon avis, parce que je m'en rappelle plus très bien, à mon avis, c'est le genre de mec qui va nous proposer de faire des courses, genre attention. Le gars, c'est le plus craqué de tous, c'est tout. Redstone n'aime pas les étrangers. Ouais, ferme-la. Dans sa ville sans permission. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a la même... Dégage, toi! Jamie, va faire ton boulot. Va parler à ton écran, va apprendre aux gosses comment on fait un avion en papier. Attention. Ah mais je suis bloqué, sans déconner, je suis Kevin. Merci. Oui, je disais, parce qu'il a la même dégaine que... Comment il s'appelait, l'autre? Je sais plus comment il s'appelait. À Wellsprings, qui nous avait proposé une course et qui nous a fait gagner le pare-buff craqué. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais?
Ah, c'est ça ton trip dans la vie, toi. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je me balade un peu, hein, chers amis, je vous fais visiter. Oh. Salut Jones, et salut Finn, et salut les tourelles. Je vois pas ce qu'elle protège vu que c'est complètement enfoui dans un éboulement. Mais bon. Bien, bon allez. J'arrête de papillonner. J'arrête de papillonner. L'autre, il est toujours en train d'essayer de creuser son trou tant bien que mal. En bas, donc il y a les courses normalement. Je vous fais visiter un petit peu la ville, chers amis. Comme ça au moins vous saurez tout ce qu'il y a dans cette saloperie de ville qui est Metro City. On a le mini-jeu qu'on a déjà vu à Willow Springs juste ici. Je ne vais pas vous remontrer parce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Autant vous dire que c'est de la merde. Sid. Pour courir sur ce circuit, faut pas être une lopette. Ça tombe bien. Ces courses sont les plus balèzes du coin. Ça c'est sûr. Que tu dis. Bien. Et donc lui, il va me proposer... Vous avez vu ? Vous êtes nouveau ? T'es perspicace aussi, toi, mon gars. Non, mais c'est une ville de perspicacité, ici. Bien le bonjour. Bienvenue chez Sparky, où on trouve les meilleures pièces mécaniques et améliorations de ce côté de la citadelle. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour rendre votre bolide plus costaud, plus sûr et, évidemment, plus rapide. T'as pas un frère à Wall Springs qui s'appelle Starky? Non, parce que c'est ça, en plus, c'est ça l'autre, le nom que... du mec que je cherchais qui nous a filé son pare-buffle quand on l'a lamentablement défoncé à la course. Il s'appelait Starky, et lui c'est Sparky. Et ouais, tout le monde s'en fout. Montre-moi les courses que tu as. Allez-y, faites votre choix. Ah mais non, c'est pas toi qui me vend les courses. Mais non, c'est une bombasse qui me vend des courses. Je m'en rappelle. Ah, elle m'a marqué, quelque part elle m'a marqué. D'accord, et lui il me permet d'améliorer, en fait c'est ce qu'il vient de me dire à l'instant, justement. Alors je vais rien améliorer pour l'instant, parce que je sais qu'on débloque un autre véhicule encore. Enfin il me semble. Bonne journée. Je ne sais plus à vrai dire. Ah, elle est là. Vous êtes amateurs de vitesse. Pardon. Oui. Les courses sont très importantes dans cette ville. Les champions sont respectés par tous les habitants. Si vous faites des exploits, Redstone vous prendra peut-être sous son aile. Ok. Vous voulez essayer nos circuits? Voilà, puis encore deux trucs... Ok, donc une chier de course que je m'empresserai de faire pour la plupart en off. Je vais vous en montrer quelques-unes de toute manière. Je pense que je referai un petit montage quand ce sera nécessaire, comme j'avais fait dans l'épisode... je sais plus lequel. Je suis paumé avec tous ces épisodes. Tac tac tac, et donc, il n'y avait pas un autre escalier de l'autre côté là? Un escalier qui nous permet de monter juste ici. Je sais pas si ça mène au même Bienvenue niveau. Bienvenue à Metro City. Merci. Genre, c'est un jeu lui. C'est quoi cette histoire? L'ambiance est particulière ici. Comme la citadelle n'est pas loin, c'est un peu tendu. Mais on essaie de se détendre quand on peut. Ok. C'est quoi ton jeu là? Ça m'intrigue cette histoire. Jouez, écoutez les notes jouées, puis reproduisez la séquence. Laissez votre mise en jeu si vous sentez en veine ou quittez la scène par la gauche. Ça commence à être trop tendu. D'accord, c'est marrant, je me souviens plus avoir joué à ce jeu. Ok. Je peux pas miser plus de 5$. Bon bah écoute. D'accord, c'est un Simon en fait, c'est le jeu du Simon. Je vais essayer de le faire en rythme. Mais c'était de la merde. Ok, non bah c'est sympa comme petit jeu, c'est le jeu du Simon quoi. Aïe. Euh,
Par contre, ça risque de devenir un peu plus compliqué vu que je ne suis absolument pas concentré. Je risque de terminer assez rapidement cette prochaine manche. Mais allons-y tout de même. Voilà, là, là, là. Yeah! Ouais, bon, je vais m'arrêter là, parce que c'est sympa, mais... Par contre, il y a moyen de gagner assez rapidement du fric avec ce truc-là. Je reviendrai te voir un petit peu plus tard, l'ami. Quand je ne serai pas en train de commenter que je pourrais être un mini-champion. Ouais, bah voilà, la preuve que je n'avais jamais fait ce mini-jeu, en fait. Bien ce qu'il me semblait, je m'en rappelais plus du tout. Très bien. Oh! Vandalisme! 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 Ah, cristaux de feltrite, ok. Du nocturnium, parfait! Parfait, parfait, parfait. Et c'est tout? Genre, il y a un mec qui dort ici. Eh ben, je préférais Well Springs, hein, sincèrement. Alors attends, du nocturnium. J'ai ramassé du nocturnium, mais... Est-ce que c'est ça qui va me permettre de pouvoir... Parfait. Augmente la santé, hein, voilà, c'est ça. Tac, voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je vais l'utiliser maintenant. Je sais plus comment on fait, par contre. Ouais, faut aller directement l'utiliser là-dedans. Où est-ce qu'elle est? C'est ça? Non, grenade IEM. Ça, c'est mes jeux de cartes. Ben, merde. Ah, c'est là. Là. Tac. Je peux pas l'utiliser parce que je suis dans la ville, donc je ne peux point sortir mes armes. Fuck. Très bien. Puis je reviendrai le voir, pas de souci. Clé de l'administration nécessaire, très bien. Donc comme vous voyez, voilà, pour le moment, la quasi-totalité des portes nous sont interdites. J'ai une affaire en or pour vous. T'es bizarre comme mec. Mais tu m'as l'air sincère. Salut, je m'appelle Stu. J'ai souvent des articles en stock que je suis prêt à vendre à un prix raisonnable. Ça vous intéresse? Carrément. $20 pour 40 munitions? Mais ça coûte trop pas cher. Pardon, par contre j'ai plus de thunes, mon grand. Désolé. Revenez souvent pour ne manquer aucune de mes promos. J'y manquerai pas. Ensuite... des portes bloquées encore et toujours. Encore et toujours, très bien. Salut mon grand. Salut ma belle. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, j'aurais bien quelque chose à te proposer, mais vu que je suis sur YouTube, je vais pas pouvoir. Je m'appelle Jamie. J'achète, je vends, j'essaie de gagner un peu d'argent, ça m'aide à survivre. J'ai des articles de base et de qualité. Si t'en as besoin, je l'ai, et si je l'ai pas, c'est que t'en as pas besoin. Alors, qu'est-ce que tu veux? Plein de choses. Je vais déjà te vendre 2-3 saloperies que j'ai, si jamais j'ai des choses à revendre. Ça, ça dégage, parce que j'en ai pas besoin. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. En fait, j'ai rien à revendre, quoi. Pour le moment. Des munitions, j'ai déjà revendu tout ce dont je n'avais pas besoin. En tout cas, des munitions, des armes que je ne me sers absolument jamais. La Maxi Bastos. Alors que je vous montre à quoi ça ressemble quand même, ça. Ravi d'avoir pu t'aider. Ouais, bah, là, oui, bah, ok. C'est qui tous ces mecs? Ok, très bien, très bien, très bien. Allison. Vous êtes nouveau? Carrément charmante, toi. Jani a de bons produits, mais si vous voulez vraiment faire des affaires, allez voir Stu. Il a toujours des trucs spéciaux en vente. C'est déjà fait. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez toujours défier Tig aux cartes. Vous la trouverez au bar. Oui, mais sauf que le bar, j'y ai pas encore accès, pétasse. Voilà. Cette gratuité. Bon, bah voilà, on a fait le tour de la ville. On a fait le tour de la ville, bah écoutez, voilà, c'est parfait, on a juste fermé là.
On a juste à aller voir Redstone, là, l'autre... Eh vieux, le patron aime pas attendre. Ouais, non, mais détends-toi. Va le voir. T'as pas un frangin, toi aussi? Putain, mais les mecs... Non, t'es le jumeau de l'autocar avec les lunettes et la clope en bas. C'est pas possible autrement. Ok. Bien le bonjour, patron. Attends une minute, t'es le nouveau gars de Marshall. Y'a respect, le mec. Moi j'ai envie de te dire, y'a respect. Regarde-moi ce tatouage du bonheur, du délice. Ça veut rien dire. Figurine Blake. J'avais déjà ramassé une figurine de Voltec, voilà, j'arrivais plus à retrouver. C'est pas moi. Non, c'est lui. C'est lui, je l'ai vu, il l'a prise. Bon. Ferme la porte. On va discuter, l'ami. Ok, t'es nouveau, et ça veut dire que tu ne sais pas comment ça se passe ici. Alors laisse-moi t'expliquer. Ici, c'est chez moi. Ma ville. Et tout le monde m'obéit. Au doigt et à l'œil. Mes désirs, ce sont des ordres. Tes désirs font des ordres. Si tu veux te rendre utile, on sera copains. Sinon, tu peux foutre le camp. Pigé ? Et si j'ai pas envie de t'être Marshall ton copain ? Marshall dit que t'es du genre efficace. Ça t'embête pas que je vérifie, hein ? Mon contremaître a un problème de mutant au bout du tunnel de la ligne bleue. Ces saloperies ont envahi les lieux. Alors va l'aider. Tu te sens à la hauteur ? Ce n'est qu'une simple mission pour les tapettes. Par contre, j'adore ta boucle de ceinture. Ça fait très, très Skyrim. Bien. Si tu réussis à te rendre utile, je te laisserai rester ici. Allez, fais voir ce que tu sais faire. Et débarrasse le plancher. Wouah ! Eh, tu vas me parler autrement, mon gars. Tu vas me parler autrement, sinon je te fous un coup de malnef dans le nez, tu vas pas t'en retrouver. Qu'est-ce que tu fais ? Mind-toi d'aller retrouver Jones. Tocard. Il t'attend, bordel. Ferme-la, bordel. Ok. Allons retrouver Jones. Jones, je l'ai vu, il était par là-bas. Ah, lui, c'est son frangin, là. T'es encore là, toi ? T'as fini de traîner dans les égouts, comme ça ? Non, toi, je pas trop les étrangers. Ferme-la ! Jones, il est au bout, là-bas. Au bout là-bas, exactement. Le boss m'a prévenu que quelqu'un allait venir. C'est moi. Ça doit être vous. Absolument. J'ai un gros problème. Ces foutus mutants font des ravages dans le chantier. L'opération d'expansion est à deux doigts d'être annulée à cause d'eux. J'ai l'impression qu'ils ont creusé jusqu'à la station de la Lune Bleue. Et maintenant, ça grouille de ces saloperies là-bas. Il faut les arrêter. Je m'en charge. Alors, on dirait que c'est à vous de faire le sale boulot. J'ai l'habitude. Ravi que vous compreniez. Vous pouvez entrer dans leur grotte par la surface près de la paroi du canyon. Descendez jusqu'au fond et cherchez la station de la ligne bleue. Très bien. C'est cette mission... Le travail peut pas... Ah ouais, allez, ferme-la. C'est cette mission dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans l'aventure. On se faisait littéralement agresser par 15 000 mutants en même temps. Dans une station de métro. C'est une mission qui est juste complètement épique. Par contre, parce que je compte bien utiliser mon fusil à pompe. Ah oui, j'ai le pistolet à clous, ouais. Mais carrément. Carrément, en fait, le fusil à pompe, j'en ai rien à branler. Je vais quand même regarder au cas où. C'est bon, je suis équipé. Entrez dans la station de la ligne bleue sous le pont menant à Metro City. What ? Entrer dans le Westland. Oui, non, mais attends, faut que je sorte dehors ou c'est quoi l'histoire en fait ? Waouh ! Mais j'ai plein de missions qui sont débloquées là, dis donc. Se faire des relations, aider Jones, ok, je suis dessus. Non, je suis pas dessus en fait. Parler Redstone, aider Jones. Si, bah c'est ça. Oui, c'est ça. Jones se contre-maître. Ok. Brick le barin, hein, du boulot à vous proposer. Ouais, mais je vais déjà faire cette mission là. Entrer dans la station de la ligne bleue sous le pont menant à Metro City. Ouais, mais à mon avis, faut que je sorte en fait.
Waouh, ça me fait chier en fait, j'ai pas envie de me taper un chargement pour rien. Ah, mais si, à mon avis, ça doit être par là. On verra bien. Vos véhicules sont au garage. Je voulais vraiment quitter la ville par un autre moyen. Non, je vais quand même aller prendre une bagnole parce que faut pas déconner. Si je dois me taper la moitié de la map pour pouvoir rejoindre cette putain de mission, faut pas déconner, l'ami. Bien. Bah c'est bon. Hop, Westland. Ok. Bon bah écoutez, j'aurais passé quasiment l'épisode complet à fouiller cette ville de fond en comble. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on arrive, donc comme vous vous en doutez, dans une toute nouvelle map, chers amis, dans laquelle il fait nuit, tout le temps, tout le temps. Il fait tout le temps nuit, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que les décors sont laids. C'est la partie des Westland que j'aime le moins, en fait. C'est vraiment... C'est sympa, mais... Mais sans plus. Et ben, ouais, bah vous verrez ça plus tard, parce que la mission se trouve être juste là. Ouch! Attends! Merde! Je vais juste montrer vite fait les petits décors. Ah, il fait moche. Il y a des nuages. Il fait sombre, il fait nuit. Vous pouvez pas passer par là, vous vous foutez de ma gueule. C'est ça qui est bon. Je vais juste du coup rééquiper autre chose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les bandages, j'ai les voitures. Est-ce que j'ai de la bibi? Il n'y a pas de bibi. Ah, mais je peux les revendre, ce truc-là? Ah ouais, je peux les revendre. J'ai pas de bibiche. Est-ce que je peux éventuellement en fabriquer? Sentinelle, je vous ai toujours pas montré à quoi ça ressemble, mais à chaque fois, j'ai pas ça. Paquet de matériel. Faudrait que j'en achète. Les bibiches. Comment ça, je peux pas fabriquer? Ah, si. Bah oui, bah c'est les sentinelles. Abruti! Je me gourre à chaque fois, je confonds avec autre chose. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais équiper ça, écoute. Allons-y! Parce que je me rappelle vite fait des touches, ok. Ce que j'ai comme... Très bien! Allons nettoyer et purifier cette saloperie de ville. Ça se trouve, la porte que j'allais prendre... ouais, c'est ça. What? Ah, ok. Hop, j'ai peur, j'ai cru que ça allait me ramener dans Metro City, en fait. Ok, c'est parti. Et un nouveau temps de chargement, parce qu'on a que ça à foutre. Et donc, on va arriver dans l'une des missions les plus épiques qui soit de ce jeu, à mon humble avis. Parce qu'on est dans une station de métro qui est envahie et infestée de saloperies en tout genre. Mais j'adore cette mission. C'est pas plus compliqué que ça. Je risque de crever un nombre de fois assez hallucinante, mais bon. Ça peut être marrant. Trouver le TNT laissé par les ouvriers. Le TNT? On dit pas la TNT? C'est pas une TNT? Non? Je sais pas. Et 38$ gratos, ça fait plaisir. Et ben des voilà, des paquets de matériel. Justement ce qui me manquait pour créer des bibiches. Puis je vais même l'équiper. Voilà. Ça aussi, ça va pouvoir me sauver la vie plus d'une fois, je pense. Malheureusement, j'en ai qu'une. Viens là. Ok. S'est passé là. Je crois que j'ai loupé un truc. tac. Ben voilà. C'est ça qu'il fallait que je trouve. On va tout faire sauter. Faire boum boum, bim bam bim boum boum. Venez là, bande de lâches. Bon, je vais juste baisser le son, ce serait horriblement fort. Voilà. Ils sont où?
Ils sont où les cochons? Mais genre... comment ça, c'est pas rassurant? Genre, je peux interagir avec ça. Mais je savais pas que je pouvais trouver du fric là-dedans. C'est bon, ça. C'est bon à savoir. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, bon, bah, allons-y. Écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, les mecs, ils se sont fait défoncer, quoi. Sont fait défoncer comme il faut. En tout cas, c'est bien glauque hein, pour le moment. Je crois que je vais appeler une bibiche en renfort. Je crois que je vais appeler... Oh, paquet TNT. Trouver le détonateur dans la station de la ligne bleue. C'est bon, j'ai déjà... Ouah, toutes les munitions. J'ai déjà trouvé où se trouve le... Enculé. Amenez-vous, bande de fiottes. Amenez-vous! Je suis prêt à en découdre! Merde, 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 merde! Bibiche, à l'attaque! Amenez-vous, bande de fiottes! Amenez-vous par là! Putain, mais je peux pas sortir d'ici, ça m'emmerde! Bien joué, bibiche! Ça, c'est de la bibiche efficace! Ça, c'est de la bibiche qu'on a dans le ventre! Ouah, mais elle a sauté par contre! Ouah, je peux pas y aller, c'est pas drôle! Touchez pas, bibiche! Ah non, mais c'est nul, je suis coincé! Mais... pas marrant. Ramenez-vous. Y'a pas moyen d'ouvrir cette putain de porte sans déconner. Ah bah voilà.